Ok, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Comme je vous avais dit, du coup, c'est des consultations. En tout cas, je vous mets des extraits de consultations que je pratique. Donc, du coup, que vous pouvez réserver sur le site alex-clair-fic.com et où j'essaie de vous trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est une consultation avec Gaëtan, qui est coach et athlète. Et on va parler wellness. On va parler, du coup, il m'a contacté Gaëtan pour que je l'aide sur la programmation d'entraînement et même de compétition de sa cliente qui est donc une future wellness. Du coup, je vous laisse avec ça. Si vous êtes intéressé par une consultation, je vous laisse donc le site et je vous dis à très vite et bonne écoute. Après, si on se met dans l'objectif, du coup, compète, on reste en wellness, du coup, c'est ça l'objectif, on est bien d'accord, hein. Alors, moi, vu que je suis novice comparé à beaucoup de personnes, en ayant vu son évolution rapide sur le bas du corps et elle a quand même un physique qui développait plus, elle n'est pas très grande, elle fait 1m50, non, elle fait 1m65, mais c'est pas très grand. Et elle fait quand même plus de 70 kilos, et alors qu'elle a encore un peu les abdos qui apparaissent, etc. Mais pour moi, elle est bien sur une wellness, mais les wellness sont tellement grosses aujourd'hui en termes de masse musculaire que je ne sais pas si ça va être suffisant, quoi. Je sais pas. Alors, ouais, alors je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est sûr qu'il y a c'est des monstres maintenant, c'est des tanks, mais en soi, votre objectif, c'est de faire genre première compète, première carte pro, ou tu vois, c'est plutôt genre, justement, on y va pour voir, on se Ah, c'est un teste. test. Oui, c'est un test. Voilà. Donc déjà, tu vois, j'ai envie de dire, si votre objectif c'est de partir en wellness, partez en wellness. Parce que les autres, tu peux pas contrôler en soi. Et vous, vous allez arriver avec vos armes, un point c'est tout, tu vois. Elle va arriver, justement, bah, elle va se démarquer parce que elle va avoir un beau X, parce que logiquement, son haut du dos va être assez quand même évasé, la taille fine et le bas du corps qui va suivre. Déjà, c'est pas tout le monde qui l'a non plus, ça, tu vois. Ouais. Donc, moi, je changerai pas de catégorie pour le coup. Et sachant qu'en plus, on en parlera, mais on est qu'en août, ouais, on est le 1er août. Donc, ça vous laisse du temps par rapport à l'échéance. Donc, en gros, pour rattraper entre guillemets, le déséquilibre, mais de ce que je vois sur la photo, franchement, je l'ai en face de moi, là. Ouais, le fessier, il est pas non plus trop en retard, et les quads non plus, parce que j'ai vu les quads sur celle d'après. Après, il y a une chose qu'il faut vraiment être conscient aussi, c'est que la prépa va être longue. Ça, c'est obligé. Ouais, 4 mois, j'ai eu 4 mois. Ouais, minimum, je pense que, voilà, c'est une dernière, c'est la première fois qu'elle va monter sur scène. Vaut mieux prendre 4 mois parce que ça te permet en plus de, bah, de son, là, pour le coup, sur la prépa, tu connais, donc, mais ça va te permettre de faire peut-être des phases plus agressives, moins agressives, etc. Je pense que pour une femme, ça joue plutôt bien. Parce que le côté hormonal, faut le gérer. Et, vraiment, là, de par mon expérience, c'est ce qu'il a pu manquer sur ce que j'ai pu, ce que j'ai pu voir chez Claire, c'est que quand tu veux trop rusher chez une femme, ça marche pas. Hormonalement, ça marche pas. Même si tu as des apports exogènes, ça marche pas. Donc, vraiment prendre son temps. Mais par contre, là, justement, vous avez le temps pour rester qualitatif. Parce que ça, vraiment, pour moi, c'est important. Donc, rester qualitatif, mais quand même mettre le focus fessier quad. Parce que je prends donc, le programme que tu m'as envoyé, rien que sur la première structure. On voit lundi, ischio. Alors justement, deuxième jour, jour des fesses, on est exclusivement fessiers, c'est ton objectif en tout cas? Ouais, là j'ai mis donc back squat, du coup encore un exercice d'extension de hanche, kickback fessier, abducteur machine fessier et one leg deadlift, je le fais Allez. en fait c'est un exercice posture, enfin comment dire, c'est en unipodale en fait, elle se met sur un seul pied, la jambe ne touche pas le sol et en fait du coup c'est vraiment un exercice d'étirement, de contraction, de sensation quoi. C'est pas là où on va mettre du lourd quoi. Okay. Pour moi, il n'y a pas cette fessier là. Pas assez de Dans ta fessier. séance, il n'y a pas cette fessier. De Parce que série bah, ou d'exo. du coup, attends, t'as deux top 7, un rest pause. T'as trois top 7. Sur le back squat, t'as. Ok, t'as donc t'as 2, 5, 8. Pour moi, vraiment, en fessier, t'as 8 séries. Et encore, le back squat, en fait, je considère que. Il est trop hybride pour dire que c'est que du fessier. Pareil, ouais, mais des charges lourdes forcément vu que. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, pour moi, elle est pas sans fessier. Ok. Parce qu'il faudrait qu'elle descende encore plus. Ouais, Et trop lourd. en haut, elle fait pas de rétro. Donc, il faudrait qu'elle aille en plus en rétro en haut pour encore activer encore plus le fessier. On ferait quoi? Tu rajouterais un exo alors du coup? Bah, je le changerais, cet exo. Je passerai sur du hip thrust ou du bridge. J'ai déjà mis le trust après du coup dans la séance fesse numéro 2.
Alors ça. Parce que le back squat, c'est un exercice vraiment bah, la base, quoi. C'est un peu la base. Là, j'ai acheté une Smith Machine, je vais la recevoir la semaine prochaine pour mes adhérents. Et du coup, je vais pouvoir rajouter des exercices à la Smith, quoi. Bah, alors tu vois, c'est bien, du coup on passe directement entre guillemets à la séance 2 qui est que fessier aussi, où du coup c'est hip thrust, montée sur box, RDL. Bah, pour le coup, celle-là, elle est un petit peu plus light en termes de charge, d'accord? Ouais. Du coup, pourquoi pas mettre plutôt un bridge, donc tu sais, le pont, t'es au sol, et tu vas aller juste faire une partie contraction du. C'est un hip thrust, mais un semi-hip thrust, dans le sens où tu as moins d'amplitude Ouais. sur celle-là, et garder le hip thrust sur la première séance fessier. Voilà, typiquement, c'est celui-là. Alors, il faudra que tu juges juste que tu le fasses avec elle, parce que suivant le rapprochement des pieds, tu vas plus ou moins engager tes ischios ou pas. Donc, si elle est trop loin, en général, ses ischios vont, elle va sentir ses ischios, et si elle est trop près, normalement, il devrait être désengagé. Mais c'est toujours pareil, ça dépend de chaque personne. Bah après, généralement, après, les cross, c'est pas vraiment, vraiment un exercice ischio, quoi, vu qu'il n'y a pas de. Ouais, mais Ouais. en fait, plus tu vas éloigner tes pieds et plus ils vont être étirés, et du coup, Ouais, les gens, des fois, ils sentent les ischios. C'est pas qu'ils travaillent beaucoup les ischios, mais c'est que les gens sentent les ischios. c'est ça, voilà, ok. Donc, du coup, tu ferais quoi? Tu mettrais le hip cross dans la séance. Ouais, séance 2, hip thrust Séance en 2. premier. Faut qu'elle fasse du lourd. Hein. Je vois que t'as mis un respo sur l'abducteur machine. Mets-lui un respo sur le hip thrust. Là, tout de suite, vous mangez, vous avez la place pour le faire. Du coup, alors, en fait, quand tu dis séance 2, c'est la première séance fesse ou la deuxième séance fesse? Ouais, alors la première séance fesse, moi ce que je ferais. Parce qu'on avait back squat, kickback, abducteur machine, one leg, enfin, une hypodale au deadlift, là, du coup, une jambe. Du coup, on mettrait hip thrust en premier, avec un gros volume dessus. Ouais, hip thrust, le kickback derrière pour qu'elle ait cette sensation, cette contraction, c'est important. Abducteur. Derrière, justement, je mettrai un autre pôle articulaire. Donc, tu as plusieurs options. Tu as soit sur le V-squat, mais non, sur la Smith, elle arrive à trouver une position où son fessier est activé avec un goût. Moi, je mettrai un focus sur la partie excentrique pour qu'elle aille vraiment sentir son fessier qui s'étire et qu'elle repousse avec la hanche avant le genou. Pour avoir cette partie contraction du fessier. Hip thrust, kickback et Smith, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je garderai les abducteurs, mais du coup, pas de rest pause. Et pareil, là, du coup, j'ai fait un prog qui est pas trop haut en volume. Et après, du coup, on augmentera progressivement le volume, là, du coup, au fur et à mesure du temps, quand la jet va augmenter aussi, quoi. Ouais, ça c'est super cohérent, ça. Et puis, si tu veux garder le deadlift à une jambe, il n'y a pas de souci. Ah, ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien. Bah, c'est important de faire du unilatéral par moment, donc. Ouais, surtout que après, quand elle va se mettre à poser, elle va commencer à avoir un déséquilibre qui va se créer, mine de rien. En tout cas, un qui va plus apparaître que l'autre. Donc, c'est bien de faire du unilatéral. Non, je trouve que c'est important de, tu vois, bah, d'ailleurs, justement, c'est très important de garder cet aspect postural. Chez Claire, c'est ce qui a manqué au début de sa, avant qu'on attaque la prépa, on a mis ça en place. Et d'une, elle était mieux. Et de deux, sur les exos de jambes, justement, elle était plus puissante. Donc, moi, je serais toi, je le conserverais. Et Ok. après, on passe sans squad. Séance squat, du coup, bon. Alors, safety squat, on est d'accord. Ce qui permet d'être bien en quadriceps, donc ça, c'est top. Du coup, j'ai marqué cal, du coup, ce que j'ai une rampe que je mets à disposition dans ma salle, du coup, pour la mobilité de cheville. Comme ça, elle descend vraiment full tout en bas, quoi. Ouais, donc en plus, bah là, du coup, si elle descend encore plus bas, bon, pour ses fessiers, c'est pas mal. Ça fait un petit rappel, sans être trop taxant. Leg press. Ok, pied légèrement bas écarté, bah pour les quads, parfait. Parce qu'à ce qui paraît, quand tu écartes un peu plus les pieds, tu engages plus les quads. Donc, à voir. Selon certaines études là sur Internet, ils disent ça. Ouais, bah après ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser à catégorie. Pareil, en wellness, ce que vous voulez avoir, c'est le vaste externe qui ressorte. Le vaste externe, tu peux. Enfin, chez certaines personnes, elles vont le sentir avec les pieds très serrés. Typiquement. Tom Platz le faisait pieds serrés, son hack squat par exemple, ou même sa presse, et tu regardes son vaste externe dégueulé. Après, ça dépend vraiment des sensations. T'as un truc très bête pour le bosser quand même, on va dire, malgré la position de tes pieds, tu lui fais mettre un élastique entre ses jambes, et puis c'est bon, elle va bosser son vaste externe, parce que connexion neuromusculaire. Donc alors du coup on met normal avec élastique du coup. Ouais. Je change. Ça c'est bien ça. Ouais, j'y ai pas pensé. Parce que je savais pas du coup qu'il fallait avoir un vaste externe développé. Tu vois, le seul problème c'est que je débute dans les meufs là, donc je sais pas du tout, tu vois.
Ouais, bah, pareil, tu regardes la pose de dos, bah, faut que le vaste externe il dégueule. C'est juste ça. Leg extension, ok. Fente bulgare à la Smith, ok. Moi, j'ai trop rien à dire. Pareil, fente bulgare, du coup, lourd, forcément, mais pas trop, et en amplitude complète, quoi. Ouais. Ça lui fait une bonne séance, là, pour le coup. Celle-là, elle est costaud. Ouais, Costaud, la costaud. séance. Ouais. C'est pour ça que la séance numéro 5, donc la deuxième séance de fesses, tu l'as fait plus légère. Bah c'est la fin de semaine, en fait, elle aura tapé 5 jours non-stop, du coup. Ouais. Ok. Du coup, donc tu voulais mettre un hip thrust, mais en bridge, du coup, partiel, du coup, finalement, c'est un hip thrust partiel, du coup. Ouais, c'est un peu ça. Mais alors, soit tu as cette solution, soit vu que tu as reçu la Smith, tu lui fais faire du reverse frog à la Smith, qui est vraiment un exo Ah pour les fessiers. ouais. Ah ouais, j'ai jamais fait faire ça de ma vie parce que du coup dans ma salle j'avais pas de. Ah ouais, par Ouais. contre. Bah, vraiment pour les fessiers, il est... je dirais, moi personnellement, je le préfère au bridge. L'amplitude est tellement meilleure que voilà. Ça, du coup, tu peux mettre lourd là-dessus ou pas? J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, tu peux mettre loin. Donc on reste sur du top 7, back off 7, Top 10-12. 7 back-off. Ouais, parfait. Donc voilà. Monter sur box, ça c'est. Pour moi, un de mes meilleurs exercices en termes de fessiers. Déjà parce que c'est unilatéral. Pour moi, c'est. Enfin, en fait, dans le métier qu'on fait, du coup, on a la partie visible, mais il faut aussi que les athlètes soient en bonne santé et performants. Et du coup, Ouais. travailler sur des exercices que les athlètes ne font pas forcément, c'est intéressant, mais surtout pour la posture, quoi. Parce qu'elle va forcément avoir, tu vois, leg extension, elle va avoir une jambe qui va pousser plus fort que l'autre. Et le but, c'est de tout rééquilibrer. Donc monter sur box, c'est un bête d'exercice pour moi, et ça, je veux le garder. Pas ce que t'en penses, mais ça défonce les fesses et puis au moins ça rééquilibre, quoi, tu vois. Pareil, de toute façon, si elle a la sensation dessus, bah, pourquoi on changerait, tu vois? Toi, c'est en accord avec toi-même. Si elle a des bonnes sensations dessus, bah, go, tu vois, faut même pas se poser la question. Derrière, ben, pour le coup, il manque un exo de fessier, tu vois, pour moi là-dessus. Pour toi, le soulevé de terre alter, là, c'est pas fessier, du coup. Non, ça va te permettre de faire un rappel ischio. Mais ça fait l'extension de la hanche à fond. Ça te finit en extension de la hanche. Donc pour moi, c'est en gros, moi je rajouterais un exo d'isolation fessier, donc un autre kickback, hein, parce que c'est plus simple. Un kickback quoi, la poulie classique Kickback à la poulie sur un banc. Comme ça, t'es stable. C'est unilatéral. Ça correspond à ce que tu veux aussi. Mais ça, on l'a déjà mis du coup dans la première séance fesse. Ouais, mais je t'avoue que quand tu fais plusieurs séances fesses dans la semaine, t'as pas trop le choix d'être redondant un petit peu. Tu vois comment elle se sent sur l'exo d'abduction classique, où t'es sur la machine, les deux jambes. Bah, toi, si tu vois qu'il y a un léger déséquilibre, qu'elle a tendance à pousser plus avec la gauche que la droite, bah, de rajouter à la fin de la semaine ce mouvement en unilatéral te permet de corriger ça. Ouais, carrément, carrément. Bah, c'est Donc sûr qu'elle c'est va pousser plus d'un côté que de l'autre, ouais, ça. c'est obligé. Donc, vachement intéressant. Donc, kick, enfin, on va dire abduction de la hanche. Après, donc RDL qui va te permettre de finir les fessiers et un petit peu d'activer les ischios. Ça, c'est pas mal. Et après, tu as le choix. Soit tu te dis, vu que ces ischios, c'est son point faible, je rajoute juste deux séries d'ischios. En plus du RDL. Ouais, en plus. Soit tu dis, ça suffit. Est-ce que, ouais, si ça serait bien, un peu disque allongé calter, peut-être. Ouais, parce qu'elle l'a pas fait jusque-là. Ouais. Donc, Alter haltère plus un élastique, ça peut être pas mal. Tu fais quoi? Alter plus élastique? Ouais, je trouve que c'est pas mal pour la tension. Je sais pas comment tu fais, mais. En gros, tu vas fixer ton élastique à la au rack à haltère et tu vas fixer l'autre partie donc sur ton haltère et comme ça te permet d'avoir quand tu remontes ton élastique il se tend. Bah, c'est quoi? Je vais le tester pour moi aussi, on verra bien dessus. Bah, tu verras, c'est pas trop Les trunes wellness. Attends, vas-y, je note ça. mal. Bah, je crois que c'est Nico Voulu qui me l'avait avec qui je l'avais vu en premier donc. Tu vois, on est en off-season, etc. Mais tu vois, on parle tout le temps de l'importance du cardio, même en off. Tu fais quoi pour clair, du coup, là? Alors, on a repris le cardio avec... Bah, tu as plusieurs solutions. Soit tu te dis l'activité, le NEAT, ça suffit. Si elle a une grosse activité, je sais pas. Bah, ça reste une maman, tu vois, donc Ouais. c'est pas. Elle doit rester quand même à la maison avec les enfants, tu vois. Donc je sais pas trop, je suis pas trop assez dans. Enfin, je suis pas totalement dans sa vie privée pour savoir ça, mais je lui ai dit de me faire ses pas, mais ça sera que ses pas, quoi, 10K, et puis c'est tout, quoi. Ok.
Ce qui peut être intéressant, parce qu'il faut pas que ça entrave sa récupération surtout, c'est au moins en mettre sur la journée de mercredi où tu fais le haut du corps. Ouais, comme ça, en fait, c'est aussi pour garder un cœur en bonne santé, quoi, surtout pour ça, quoi. Le cœur, ton métabolisme, mine de rien, tu continues à le faire carburer. C'est intéressant, ça te permet de manger un petit peu plus. Même si c'est que un jour dans la semaine, ça te permet quand même d'être un peu meilleur dessus. Donc, pour moi, il faut le garder en hors saison. Ouais. Cardio, ok. Et après, du coup, tu vois, là, on a la base. L'échéance, ça serait avril. Ouais. Toi, tu ferais quoi, du coup? Tu resterais sur ça jusqu'à avril, ou bien après tu mets Ah, volume? en termes d'entraînement, ouais. Alors, tu m'as dit que tu voulais augmenter le volume, Le déjà. volume, mais est-ce qu'on changerait pas la fréquence? Arriver, soit on continue avec cette fréquence-là, du coup, avec 400 bas du corps par semaine, ou est-ce que du coup, à cause de la prépa, ça sera dur? Est-ce qu'on passerait pas à 3? Tu ferais quoi, toi? Tu vas passer à 3. 3 après? Ouais, tu vas passer à 3 parce que t'as de grandes chances que sa fatigue nerveuse va être trop importante. T'as de grandes chances qu'elle va faire de l'inflammation sur le muscle. Donc, même si elle sèche, tu verras pas parce qu'elle sera inflammée. Donc, typiquement, il faut du repos. Et si tu laisses autant de séances, le repos, mine de rien, il est trop impacté. Et en plus, c'est vachement utile hors saison. Faut manger bien, les exos sont bons. Bah, vas-y, reste pause, ça fait prendre de la masse. C'est bon, quoi. Tu vois, clair, en espace de le peu de temps qu'on a fait de hors saison tous les deux, justement, de mettre des techniques comme ça, bah, son fessier, il a explosé, quoi. Et en plus, elle pouvait manger plus et plein de choses, tu vois. Ouais, carrément. Carrément. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment cool de ta part. Avec plaisir. Peut-être que ça Plaisir. deviendra plus clair par la suite. Bah, il n'y a pas de raison, en vrai. Il n'y a pas Ouais, de raison. après, c'est à voir, hein. Elle fait ça toi et moi, on a un enjeu professionnel avec tout ça, parce que du coup, c'est notre métier. Ouais, Moi, en tant c'est que gérant de salle, là, je fais une compète chez MPC à Lille dans 6 semaines, là. En tant que gérant de salle de sport, gérant de OK. magasin, etc., et de coach, je suis obligé de donner des preuves entre guillemets. Ça sert à rien, ça veut rien dire, mais les gens ils voient le coach aussi comme un athlète, et ils pensent que forcément le coach doit être un bon C'est athlète, ça. alors, pas forcément, mais moi c'est purement professionnel, tandis que là c'est vraiment pour le plaisir. Donc faut juste pas qu'elle soit déçue d'elle-même si jamais ça se passe pas bien dès la première fois, quoi. Exactement, mais il faut ouais, je pense que c'est important d'avoir cette discussion. J'ai une fille qui attaque en wellness aussi, première compétition, tu vois, cette année. Et on a vraiment, tu sais, trouvé son pourquoi. OK, pourquoi on fait cette première compétition? On va se tester, on va prendre du plaisir, on a envie d'être compétitif, c'est une chose, mais c'est quand même beaucoup de, bah, c'est notre première fois. Donc on reste cohérent par rapport à ça. Et je pense que c'est vraiment, faut qu'elle y aille dans cet objectif-là, de se dire, ça reste ma première compétition, je vais tester, voir si je kiffe le processus, si je kiffe la scène, si je kiffe plein de choses. Et puis, bah, du coup, c'est soit un tremplin, soit je pourrais me dire, j'ai essayé, j'ai tout donné, mais moi, par contre, ça me, enfin, c'est, j'ai pas plus d'attrait que ça sur la scène. Et du coup, bon, bah, elle aura au moins essayé, et derrière, bah, elle passera à autre chose, quoi. Bah, c'est ce que je lui ai dit clairement, mot pour mot, là. Du coup, elle m'a dit que c'était bon pour elle. Mais après, les femmes, on sait jamais, tu vois. Donc, faut vraiment que j'ai cette discussion au moins 2, 3 fois avec, pour être sûr que Ouais. soit prête à tout. On y va pour gagner. Mais si ça se passe pas bien, c'était un challenge. Et puis voilà, next, quoi, tu vois. C'est un super challenge. Et puis voilà, faut être conscient que elle est pas pro, elle a une vie de famille à côté, elle a plein de choses. Et voilà, faut y aller. Voilà, on sait pourquoi on y va, quoi. Ouais, bah, carrément. Bah, en tout cas, merci à toi, hein. Ça fait Avec plaisir plaisir. que tu sois ouvert comme ça. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Si jamais j'ai d'autres questions par la suite, je te montrerai. Yes. On pourra en parler. Ouais. Bah, ce serait intéressant de faire un point plus tard dans l'année, justement, pour voir l'évolution un petit peu. Oh, je suis chaud, Si, clairement. Vas-y, carrément. Bon. Ok. Bah, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bah, bonne soirée. Et puis, on se dit à très vite. Yes, ça marche. Salut. Ciao.